Coucou les filles! Donc aujourd'hui je reviens avec un tag. Le tag dis-moi et montre. Donc je crois que j'ai été taguée par mademoiselle Emilie 3490. Donc mademoiselle, je te remercie de m'avoir taguée. Et également par Bébé Pulpeuse récemment. Donc je fais le tag pour vous deux. Donc ça me fait plaisir même si j'ai mis un peu de temps à le faire, je suis un peu démordée, un peu en retard dans la vidéo, donc je m'en excuse d'avance. Donc on commence tout de suite. À quelle heure te réveilles-tu le matin? Donc généralement le matin je me réveille 7h, 7h30 suivant, pour soit pour aller au boulot ou soit pour préparer ma fille. Le temps, moi je me lève plus tôt pour vraiment avoir le temps de me préparer, j'aime pas être à la boue, donc généralement je me lève à 7h ou 7h30. Voilà. Quel est ton premier geste ou la première chose que tu fais le matin? Donc le premier geste, c'est vraiment regarder mon portable, l'heure, et ensuite je vais aller voir ma fille pour la réveiller, ou si je travaille pas, voir si tout va bien. Voilà, c'est vraiment prendre mon portable, aller voir ma fille, et voilà. Ensuite, montre-nous une photo de toi marrante quand j'étais petite. Donc le souci c'est que j'en ai pas, c'est tout chez mes parents et donc c'est pas possible. Sauf que j'ai des photos de ma petite fille petite. Donc elle est toujours petite mais bon. Donc vous allez faire. Oh. Donc là voilà. Bon, c'est une photo marrante, bien sûr. Hein. C'est dans l'idée. Voilà. Donc, ensuite, quelle est la blague qui te fait le plus rire? Je sais, je suis quelqu'un de très marrant, mais ça se voit pas là. Là, j'ai pas d'idée précise de blague en tête. Donc, je préfère dire Joker. Ensuite, quel est le film d'horreur qui te fait le plus flipper? Donc le film d'horreur qui me fait le plus flipper, c'est... à la base, c'était pas vraiment un film qui me faisait peur. Mais au fil des saisons, de la trilogie qui continue, c'est vraiment vers les 3 derniers ou les 2 derniers que vraiment je peux plus les regarder, c'est les sauts. Donc saut 1, saut 2, saut 3, saut 4, saut 5, saut 6... je crois à partir du 6, franchement, j'ai pu regarder parce que c'est vraiment gore, on peut le dire. Et vraiment, je supporte plus. Même si habituellement, j'ai pas vraiment peur des films d'horreur, mais là, je peux pas regarder ce film maintenant, ça me stresse. Alors, quel est ton péché mignon? Donc, mon péché mignon, vous avez trouvé ça un peu bizarre, mais moi, mon péché mignon, c'est le saucisson. Donc moi j'adore le saucisson, c'est vraiment un truc infaillible, il faut que j'en ai un stock sinon je suis pas bien, je sais, ça va être bizarre. C'est vraiment pas des gros saucissons, c'est les grignotes, vous savez, qui sont par trois, j'adore ça. À ce que je vais à Carrefour, que mon homme sort, je lui ai dit qu'il faut que tu achètes le saucisson parce que là, il n'y en a plus. Donc voilà. Ensuite, fredonne-nous une chanson de dessin animé que tu aimes. Donc, même si j'ai une petite fille, je regarde un petit peu les dessins animés, mais bon, je n'ai plus de favoris, on va dire, plutôt. Voilà. Sinon, ce serait un dessin animé que j'aimais bien quand j'étais petite, avant d'aller à l'école. C'était Franklin. Oui, Franklin, donc c'est... Et c'est Franklin. Il a pour jouer avec toi. Voilà. On va pas rentrer dans le sujet. C'est déjà critique. Ensuite, fais-moi ton plus beau sourire. Donc, mon plus beau sourire. Ça va, ça fait pas trop peur. Ensuite, fais-nous entendre la sonnerie de ton réveil ou portable. Alors, je vais vous décevoir sans doute. Il est disponible au portable.
Alors, j'ai enfin trouvé la sonnerie. Excusez-moi, c'est vraiment du basique, vous allez faire. Ok, d'accord, c'est ça. Oui, c'est très recherché, je sais. C'est vraiment un compositeur hors du commun. Donc, ensuite, on passe à la question suivante. Quel animal aurais-tu aimé être? Oula, décidément. Alors, moi, j'aurais aimé être un oiseau. Pourquoi? Parce qu'un oiseau, il peut voyager partout dans le monde assez facilement en volant. Et c'est un animal qui est assez libre de ses mouvements, bah, il est juste sur de mes mouvements, mais qui est vraiment. Ça va être vraiment magnifique de pouvoir voyager au-dessus de l'eau, enfin, voyager quoi. Voilà, on va prendre dans les détails. Fais-nous ta plus belle grimace. Ma plus belle grimace est. Oui, ça fait peur. Ouh. Voilà. Voilà, je suis classée maintenant. Si tu dois changer quelque chose chez toi, Si tu dois changer quelque chose chez toi, ça serait quoi? Mes pieds. Oui, faut être sincère. Quand on fait du 41, c'est pas négociable. Si j'ai le pouvoir de changer ma peinture et avoir un 37 ou un 39, pas 38 parce que c'est la pointure quand tu es dans le magasin qui a plus demandé, il n'y a plus rien. Ouais, 39, ce sera un rêve. Donc oui, j'aimerais bien, mais sinon je me plais comme je suis. J'ai pas envie de changer de corps. Non, ce sera plutôt mes pieds, s'il vous plaît. Ensuite, qui veux-tu taguer? Donc, comme vous le savez, je suis la dernière qui fait tous les tags du moment. Je suis à la bourre, faut vraiment, excusez-moi, les filles, c'est vraiment pas très bien. Ma voix est un petit peu cassée, je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais bon, j'espère que mes réponses vous auront plu, que je vous aurai fait rigoler avec mes grimaces. Et donc, je ne taguerai personne. S'il y a des filles qui ne l'ont pas fait, ou des youtubeuses qui sont abonnées à ma chaîne qui ne l'ont pas fait, je les invite à le faire et à mettre leurs commentaires en vidéo, commentaires en bas de cette page. Et puis, les filles, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!